Good morning, Aleiden Letus. Aujourd'hui, le Lonishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Ahuda, Michael Novikov et aussi les Rufat Ruth Bat Claudine Traina et Simcha Bat Masoudi Betor Shar Chon Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perig Gimel, Mishnah Aleph. Kol Metamin Ba'oel, Shenech Leku, Veich Nissan, Letor Habait. Rabbi Dosa Ben Arkinas Metaher, Vachachamim Metam In. Keitzad. Hanogea bekishnei chatzai zetim mina nevela o nos an. Uvamet, hanogea bekechatzi zait uma ahil al kachatzi zait o noga bekechatzi zait bekechatzi zait ma ahil alav uma ahil al kishnei chatzai zetim ma ahil al kachatzi zait bekechatzi zait ma ahil alav. Rabbi Dosa ben Arkinas metaher, vachachamim metamin. Aval, anogea bekachatzi zait vedavar acher ma'il alav, ve'al kachatzi zait, aval anogea bekachatzi zait vedavar acher ma'il alav, ve'al kachatzi zait, o ma'il al kachatzi zait, vedavar acher ma'il alav, ve'al kachatzi zait, tahor. Amar Rabbi Meir, av bezer Rabbi Dosa metaher, vachachamim metamin. הכל תמה, חוץ מן המגע עם המסע. והמסע עם האוהל, זה הכלל, כל שהוא משם אחד תמה, משני שמות טהור. משנה כי פפר פר, mais c'est pas très compliqué, il va falloir quelques petites dizaines d'introductions pour y arriver. Non, 3-4 introductions, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Une Mishnah qui nous projette à fond dans un grand sujet de Touma Vetahara, dans le Seder Taharot, il y a une Maserhet qui s'appelle Maserhet Ohalot. On a déjà évoqué déjà quelques sujets de cette maserhet. C'est la manière dont le mort communique la Touma, son impureté, à d'autres choses. Trois formes. Maga, Massa, Ohel. Maga, le fait de toucher le mort. Si je touche un mort, je deviens moi-même impur. Massa, si je transporte un mort. Même si je ne suis pas en contact direct avec le mort, même si mieux que ça, je ne suis pas du tout en contact même avec quelque chose qui reçoit une impureté, par exemple. On va prendre une grande brique, une brique, par exemple, qui n'est pas quelque chose qui reçoit la Touma, et je pousse, avec la brique, je pousse un mort. Donc, je ne suis pas du tout en contact avec le mort. Ouais, et la brique ne reçoit pas elle-même l'impureté. Mais malgré tout, je deviens impur. Pour quelle raison ? Pour le simple fait que j'ai déplacé un mort. C'est ce qu'on appelle Toumat Massa, au nom de Nocé. D'être nocé, comme il s'est dit sur la Nevela dans le Torah, nocet nivlato itma da'arev, le fait d'être nocé, de porter une touma, même si je ne suis pas en contact direct avec elle, d'accord, c'est le simple fait de la transporter. Et elle est aussi appelée dans le jargon de la Torah, dans la halachot, on appelle ça toumat heset, léacit, avec un tête, ça veut dire faire bouger quelque chose, d'accord, léacit. Donc toumat heset. Ça rapporte dans le Martenora, quelquefois il utilise Heset, il passe d'un à l'autre sans aucun problème, parce que c'est connu, c'est la même chose. D'accord ? Et à part ça, il y a l'autre grand sujet de l'impureté, spécifique aux morts, essentiellement en tout cas, un petit détail par rapport à la Tzarat, on ne va pas du tout entrer dans le sujet, il y a le Toumat Aoel, une notion qu'on a déjà aussi évoquée quelquefois, lorsqu'on avait parlé de l'interdit des Kohanim d'entrer dans l'hôpital. Par exemple, le simple fait d'entrer dans une pièce où se trouve un mort, le fait d'être sous un même toit, sous un même toit qu'un mort, sans interruption entre lui et moi, d'accord, la pièce n'est pas coupée en deux par une porte même ni rien, j'entre dans la même pièce que le mort, je deviens impur. De ce fait, le Kohen, on avait évoqué le sujet, que le Kohen ne peut pas entrer dans un hôpital, s'il y a un mort à ce moment dans l'hôpital, ça c'est compliqué pour jouer à cache-cache, et il y a des entrées spéciales pour les Kohanim dans l'hôpital Shaaretz Tzedek, à Yerushalayim, je sais pas, ça c'est connu quoi. D'accord ? Maintenant, on va mettre un petit peu le zoom sur la Toumat Aoel pour expliquer trois formes de toit. Ouais, ce qu'on appelle grossièrement le Toumat Aoel. Ça veut dire, c'est soit, d'abord le cas classique qu'on a évoqué, c'est le fait d'entrer dans une même pièce où se trouve un mort. Il y a encore un autre moyen de devenir impur, parce que je suis moi-même le toit du mort. C'est-à-dire, il y a un mort en plein air,
posée dans la rue. Il n'y a aucun toit au-dessus. Mais moi, je passe au-dessus. Même mieux que ça. Je passe au-dessus et il y a ma veste qui fait un geste qui passe au-dessus du mort, tout simplement. Et bien, à ce moment-là, ma veste devient elle-même le Ohelamet. Donc, elle va me transmettre directement la Touma à moi. Le fait que moi, je passe au-dessus du mort, même si j'entre pas du tout en contact et je déplace pas le mort, je saute au-dessus du mort, tout simplement. Le fait de passer au-dessus du mort fait que la Touma du mort, qui est Bokat Veola Dashamayim, elle transperce et elle monte jusqu'au ciel, que tout celui qui passe au-dessus, il devient tamé parce que lui-même, il devient, à ce moment-là, il devient le Ohel du mort. D'accord ? Et si à ce moment-là, quand je passe au-dessus, je suis en train de toucher quelqu'un par exemple, non, j'ai ma main au-dessus de quelqu'un par exemple, et ben moi-même, je vais être moi-même la tente, le toit au-dessus du mort. Moi, je reçois l'impureté et je la transmets avec ma main au-dessus par exemple, au-dessus de quelqu'un, parce que je deviens moi-même le Ohel. D'accord ? Avec encore un autre cas de figure, plus simple, un kazaït de mort suspendu par exemple sur une ficelle, entre deux poteaux, et je passe en dessous. Alors le mort lui-même, il est lui-même le OL, il est lui-même la tente, et que dès que je vais passer en dessous, je vais devenir impur. C'est clair ? On a maintenant donc, on va mettre le zoom. Ouais, d'accord, on a évoqué pour le moment, d'abord je synthétise donc les trois cas de figure qu'on a évoqués de OL. Il y a le fait d'être sous une même tente, il y a le fait de passer au-dessus ou de passer en dessous. La question, je vous introduis directement à la problématique de notre Mishnah, va être de définir exactement, est-ce qu'il y a ici deux formes de Ohel ou il y a une seule forme de Ohel ? Et il y aura une grande conséquence par rapport au Shiurim, justement. Et on y arrive tout de suite avec la deuxième introduction. Quelque chose qui rend impur, alors dans la Torah, c'est comme dans tous les sujets de la Torah, il y a des quantités requises, des Shiurim, un Shiur, une quantité requise. Comme celui qui va manger quelque chose d'interdit, il doit manger un kazaït. Celui qui va manger un Yom Kippour, il doit manger une kotevet. Il y a comme ça, il y a des shiurim, des quantités requises. Alors, la quantité requise pour un mort, c'est de toucher un kazaït de chair. On avait évoqué la quantité d'os requis si on touche des os. Et si on touche de la chair, il faut un kazaït minamet. S'il y a un bout de moins d'un kazaït d'un mort, si je le touche, je ne deviens pas impur. C'est fréquent, Chas v'Shalom, quand il y a un mort est assassiné, il y avait des gouttes de sang du mort. La goutte de sang en elle-même, si un revi'it, une quantité d'un revi'it de sang, ça rend impur, mais c'est une petite goutte, ça ne rend pas impur si on la touche. D'accord ? On a fini avec les introductions. Maintenant, je vous introduis maintenant la notion, la problématique de notre Mishnah, va être de savoir la manière dont deux demi-kazaïtes, donc deux demi-quantités, ouais, on va prendre, il me faut, pour devenir impur, il va falloir un volume de, on va parler en grammes, ouais, mais c'est pas exactement, mais c'est pas grave, c'est plus facile à parler, 30 grammes, c'est très grossier, en réalité c'est 26 cm3 de mort, 27 cm3 de mort qui rend impur, on va dire qu'il faut 30 grammes, il y a 15 grammes de mort, et on va prendre le même kazaït de mort, on va le couper en deux, on va faire 15 grammes et 15 grammes. Alors, est-ce que maintenant, la problématique de notre Mishnah va être de savoir, si maintenant on a séparé ces deux kazetim, ces deux morceaux, ces deux chatsizetim, on a deux demi-kazetim, on a 15 grammes et 15 grammes de mort. Si je les touche tous les deux, avec mes deux mains par exemple, alors là je suis en train de toucher 30 grammes de mort, ça me rend impur. Mais la question de notre Mishnah va être de savoir, si je ne touche pas vraiment les deux, un je touche et l'autre, je suis sous le même abri, il est au-dessus de ma tête, il est sous mes pieds, mais sans que je le touche directement. Est-ce qu'il y a en cela, les deux 15 grammes, les deux chatsizaït, vont s'associer pour me rendre impur? Et c'est ce qu'on va voir, qu'il y a une discussion entre Rabbi Dossa, Chachamim et Rabbi Meir selon Rabbi Dossa. Ça va nous faire trois avis dans la Mishnah. Et on commence tout de suite à lire d'abord le premier axiome. Kol ametamin ba'ohel. Tout ce qui rend impur par le ohel, le mort. On est en train de parler du mort, donc. Tout ce qui rend impur par Ohel, le fait d'être sous un même abri, donc toutes sortes d'impuretés fortes qui rendent cette... Shenechleku. S'ils ont été séparés en deux, coupés en deux, partagés. Vihnisan letoch habayit. Il les a fait entrer à l'intérieur de la maison. Cas classique pour le moment, très simple. On a pris le même kazaït, 15 grammes et 15 grammes de mort, et on les fait entrer
même par deux personnes différentes dans la maison. Est-ce que le fait qu'il y ait un kazaït d'un côté, un khatizaït de l'autre, 15 grammes d'un côté, 15 grammes de l'autre, est-ce que le fait que les deux zétimes s'associent ou non? Et il y a déjà sur cela une première discussion. Rabbi Dosa ben Harkinas Metaher, Rabbi Dosa ben Harkinas dit que celui qui vient dans cette maison est pur, parce que les deux zétimes doivent, parce que le zaït du mort, la quantité de un kazaït de 30 grammes de mort doit être tout réuni et collé, être un seul morceau, pas deux petits morceaux. Ça, c'est son avis de Rabbi Dosa. Et Chachamim Metamin. Les Chachamim disent non, ça ne change rien au problème. Ça, tu seras impur malgré tout, parce qu'il y a ici 30 grammes de mort. Donc ça suffit pour en devenir impur. Même s'ils ne sont pas collés, ils ne se touchent pas tous les deux. Keitsad. Maintenant, on va entrer. C'est le côté un peu plus complexe. On va avoir 4 cas de figure où ça va être. Où il va y avoir la discussion. Et on va jouer en les associant, puisqu'on a parlé de 4, de 3 formes d'impureté en réalité. 3 formes qui forment 4. Le fait de toucher, le fait de déplacer, le fait de. Et d'être impur par le fait d'être sous le même toit, avec 2 cas de figure. C'est soit il y a déjà un toit, ou soit c'est moi-même qui vais jouer le rôle du toit en passant au-dessus ou en passant en dessous. D'accord ? Alors, et donc on va jouer à dire s'il y a un demi comme ça et un demi comme ça, un demi comme ci, un demi comme ça. Ça va être là tout le jeu de la Mishnah, c'est pour ça qu'elle paraît longue, mais en fait c'est simple. Anogea bekishnei chatsae zetim minanevela onosan. Bon là il y a un petit problème, c'était une petite feinte un peu lourde. C'est-à-dire, c'est déjà dur à introduire, et quand une fois qu'on a introduit, qu'ils font plus de ça, faire une quatrième pause pour introduire, c'est pas grave, on le fait rapidement. Si vous faites attention, il est en train de parler d'une nevela, d'un cadavre d'animal. Et le cadavre d'animal aussi, il rend impur. Il rend impur, mais cette fois-ci plus B-O-L. Il rend impur uniquement en entrant en contact ou en déplaçant, mais le principe sera le même, il y aura la même discussion. C'est pour ça qu'il a pris pour apprendre une halakha supplémentaire, que sache que la discussion que Rabbi Dosa rend pur, ce n'est pas que par rapport aux morts, c'est même dans tout ce qui va rendre impur, comme par exemple un kazaït minanevela, un cadavre d'animal, rend impur si je le touche ou si je le déplace, et bien sache qu'il y aura le même problème lorsqu'il va y avoir un demi, 15 grammes et 15 grammes de cadavre mort, d'animal, si je le touche comme ça, ou si je touche un demi et l'autre je le déplace, par exemple, il y aura en cela une discussion. Keitzad, comment est le cas? Anogia bekishnei chatsae zetim minanevela. Celui qui va toucher deux demi-zetim, deux demi-zait, ce qu'on appelle 15 grammes, grossièrement, de cadavres d'animal. O nos ano, bien il va les déplacer tous les deux. Chacun, il y a deux assiettes de viande pas cachère, nevela, qui est posée sur la table, qui sont posées sur la table, une 15 grammes et une 15 grammes, et je déplace les deux assiettes en même temps, et bien sur cela, il y aura la discussion entre Rabbi Dosa et Chachamim. Que Rabbi Dosa dira que tu es pur, parce que les 30 grammes ne sont pas réunis en un seul endroit, ne se touchent pas. Et Chachamim dira que non, tu es impur. Ubamet, et maintenant, en plus de l'histoire de la nevela du cadavre de l'animal, Ubamet, celui qui va toucher un mort, ou qui va devenir impur par un mort, d'accord, en touchant les deux chatsae zetim, ou comment exactement? Hanoga bekachatsi zait. S'il touche un demi zait, ou mahil al kachatsi zait. Et d'un côté, je touche un demi zait, et de l'autre côté, j'ai mon pied au-dessus d'un. Donc je touche 15 grammes, et j'ai mon pied au-dessus de 15 grammes de mort par terre. Donc regardez, j'ai 15 grammes, je touche 15 grammes, et j'ai mon pied au-dessus de 15 grammes. Donc mon pied fait ohel, il joue ce rôle de toit d'abri au-dessus du mort, de 15 grammes. Donc sur ça, il y aura la même discussion. Rabbi Dosa veut dire tu es pur, parce que les deux ne sont pas ensemble. Et Chachamim vont dire que non, tu es impur malgré tout, parce qu'il y a ici deux étimes. Oh, noga bekachatzizait, bekachatzizait ma'il alav. Le même cas de figure, mais à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas que je suis ma'il al chatzizait, c'est que le chatzizait est ma'il sur moi. Soit je touche 15 grammes de mort, et il y a 15 grammes de mort suspendu au-dessus de ma main, de l'autre main. Alors le fait que maintenant j'ai 15 grammes ici, 15 grammes là, fait que j'associe les deux 15 grammes pour faire 30 grammes de mort et de chair de mort, donc je vais devenir moi-même impur. D'accord ? Selon Chachamim, Rabbi Dosa sera en discussion. Onogab Kharzizet de Kharzizet Maïl Alav, ou encore Umaïl Al Kishnei Khatsay Zetim, le cas plus simple. C'est que tout simplement, je suis moi-même, il y a 15 grammes posés par terre d'un côté, 15 grammes posés par terre de l'autre côté, et je mets mes deux mains comme ça au-dessus. Et bien il s'avère que maintenant, je joue le rôle d'être le toit au-dessus de
d'un kazaït, d'un mort, puisqu'il y a ici 15 grammes, 15 grammes, ensemble ça fait 30 grammes, donc je deviens moi-même impur, puisque je, selon Chachamim, et Rabbi Dossa, de nouveau, va me dire non, 15 grammes, 15 grammes, ça ne s'associe pas tant qu'ils ne sont pas collés ensemble. D'accord ? Ça c'est Oumaïl al-Kishne Khatzizatim, où il y a encore le cas de figure, Maïl al-Khatzizaït, mais Khatzizaït, Maïl, le gars un peu plus rigolo en fait, rigolo, c'est vachement marrant, s'occuper de mort, en tout cas, il y a ici 15 grammes posés et 15 grammes au-dessus, et moi je suis comme ça, je mets mes mains comme ça, sous ma main il y a 15 grammes de mort, au-dessus de ma main il y a 15 grammes de mort, sans que je touche aucun mort, mais puisqu'il y a 15 grammes, 15 grammes, d'après Ramim, ça s'appelle que tu touches 30 grammes de mort, même s'ils ne sont pas reliés, d'après Rabbi Dossa, tu seras impur. Donc pour tous les cas, Rabbi Dossa ben Arkinas Meter, Rachamim Metam In. Rabbi Dossa va te dire que tu es pur, et Rachamim vont te dire que tu es impur. Même si c'est, finalement, les deux 15 grammes ne sont pas ensemble, mais soit tu touches, soit tu fais, tu passes au-dessus, tu passes en dessous, ça s'appelle que tu touches. Par contre, et c'est là où ça va devenir un petit peu plus complexe, c'est de comprendre maintenant ce nouveau cas de figure. Aval, qui aura en fait une discussion, ça va être Rabbi Meir qui va venir discuter sur ça et nous dire qu'il y a en réalité même sur ça une discussion. Aval, Anoga bekachati zait, bedavar acher ma'il alav ve'al kachati zait. Par contre, la Mishnah vient m'enseigner que, sache que les mêmes chachamim qui ont dit que tu associes les deux kazetim, ils sont d'accord que dans un cas de figure assez original, eh ben tu ne seras pas impur. Je le dis d'abord à l'oral, et après on va le revoir dans les mots. D'accord ? Je vais le dire à l'oral de manière grossière. Moi je suis en dehors d'une maison où se trouve un mort. Il y a 15 grammes de chair posée par terre. Et dans la maison, il y a 15 grammes de mort. Et ce que je fais, et moi je suis à côté de la fenêtre de la maison, je touche le mort et je rentre ma main dans la maison. Maintenant, ma main ne passe pas ni au-dessus ni en dessous la chair du mort. Mais elle est uniquement dans la maison où se trouve le mort, sous le même toit que le mort. Alors là, sur ça, Chachamim vont nous dire que non, cette fois-ci, on ne va pas associer les deux Chatzizait, les deux 15 grammes pour faire 30 grammes. Pour quelle raison? Parce que là, je ne deviens pas impur par le même mode d'impurification, je ne sais pas ce que ça se dire. En tout cas, je ne deviens pas impur par le même mode d'impureté. Puisque là, je touche, et là, je deviens impur par le fait que je suis uniquement dans, sous le même toit. Alors vous allez me dire que ça change, on va expliquer dans quelques secondes. Mais pour le moment, c'est un mode trop différent. Le fait d'un côté de toucher et de l'autre côté d'avoir la main qui se trouve sous un toit où il y a 15 grammes de mort, là tu ne deviens pas impur. Il faut nécessairement soit que tu touches les deux 15 grammes, soit au pire que ta main soit au-dessus des autres 15 grammes ou en dessous des 15 grammes du mort. Parce que dans ce cas-là, en fait, je dis tout de suite la solution, parce que Chachamim estime que le fait d'avoir la main au-dessus ou en dessous du kazaït, ou même du moins que kazaït, fait qu'en fait je suis, puisque je suis directement au-dessus, alors ça s'appelle pas Toumatouel, c'est comme si je suis Bemaga, c'est comme si je le touche directement. À la différence, donc c'est pas considéré comme deux modes d'impureté, c'est considéré comme le même mode. Autant que si je peux le toucher avec le nez, je peux le toucher avec les oreilles, ou avec les mains, et ben je peux aussi le toucher un petit peu, d'un peu plus loin, en ayant ma main un peu plus loin, mais le fait d'être directement au-dessus, ouais, en projection directe pour les matheux, alors ça fait que je suis en... Alors ça fait que c'est comme si je le touchais directement, si je suis au-dessus ou en dessous. Tandis que si ma main n'est pas au-dessus ou en dessous, elle est à côté, et que c'est un autre facteur qui amène la touma parce que je suis c'est un autre toit, alors là ça s'appellera deux modes, et tu ne pourras pas associer deux modes même d'après Chachamim. Ok, on a compris l'idée? Alors maintenant on fait ça dans les mots. Aval, ça va être exprimé de manière un peu lourde, mais c'est facile. Regarde. Aval anoga bekachati zait. Par contre, s'il touche al kachati zait, un demi zait, donc 15 grammes. Vedavar acher, et quelque chose d'autre, ma'il alav ve al kachati zait. Et quelque chose d'autre va faire le toit entre lui, entre ma main, donc ma main qui rentre par la fenêtre, et le kachati zait, et l'autre 15 grammes qui se trouve dans une autre pièce. Donc moi je touche pas le 15 grammes, je suis pas au-dessus ni en dessous, je suis dans une pièce, sous un toit. Ça peut même être une planche au-dessus suspendue, ou il y a la planche à l'au-dessus des 15 grammes, et donc ça communique le fait que ma main passe en dessous. Alors là, cette fois-ci, ou encore un autre cas de figure, oh, ma'il al-kachati zait, ou encore mieux même, je mets ma main au-dessus d'un kachati zait, vedavar acher ma'il alav al-kachati zait, et de nouveau, je mets encore ma main dans l'autre maison. D'accord ?
encore deux cas de figure, vous allez me dire, regardez, il y a ma main qui se trouve au-dessus de deux morts. Non, c'est pas vrai. Parce que là, le premier 15 grammes qui est là, c'est ma main qui est au-dessus directement, donc c'est comme si je le touche. Et l'autre 15 grammes qui est dans l'autre pièce, c'est un vrai Tumata Oel. Alors là, dans ce cas-là, Tahor, d'après tous les avis, il sera pur. Même Chachamim sont d'accord qu'il sera pur. D'accord ? C'était clair ? Plus ou moins, j'espère ? Si vous voulez un peu mieux comprendre ça, d'après Chachamim, s'il y a deux maisons, où il y a deux kazaïtes, deux khatizaïtes, il y a 15 grammes et 15 grammes dans deux maisons, et je mets mes deux mains dans les deux maisons, là je deviendrai impur, parce que j'utilise le même mode d'impureté, la Tumata Oel. Mais si une Touma, elle est transmise par Oel, et l'autre Touma, elle est transmise par Maga, ou même si c'est pas Maga, contact direct, mais c'est simplement le fait d'avoir ma main directement au-dessus du khatizaït, alors là, ça s'appelle que c'est considéré comme un Maga, donc Maga et Oel ne s'associent pas. Deux modes d'impurification ne te rendent pas impur. D'accord ? Amar Rabbi Meir, c'est sur ça que Rabbi Meir vient et discute. Non ! Dans tous les cas, Chachamim vont le rendre impur. Même si je vais toucher la moitié du mort, le Khatizaït, les 15 grammes, et je vais avoir ma main dans l'autre maison, ou même si je vais avoir ma main au-dessus du Khatizaït et ma main dans la maison, dans les deux cas, je vais être impur. Av Bazer Rabbi Dosa, Metaher v'chachamim metamin. Hakol tamé, tout sera impur. Chutz, sauf un cas de figure qui sera, que chachamim seront d'accord qu'on ne rendra pas impur. Minamaga imamasa. Si d'un côté je touche un demi-zait et l'autre côté je le pousse avec un bout de pierre, je pousse un chatizait, donc 15 grammes posé par terre, je le touche. Et l'autre 15 grammes, avec une pierre, je le déplace. Donc là, c'est Maga et Massa, Heset. Alors là, Maga et Heset, ouais, le contact direct et le fait de déplacer ne s'associent pas. Ou encore, Vea Massa Imaoel. En fait, le seul qui fait défaut, c'est le Massa. Le fait de déplacer le mort, c'est celui qui est considéré trop différent pour s'associer avec les autres. Mais le fait d'être sous un même toit avec le mort, ou bien d'être moi-même le toit au-dessus ou en dessous, alors tout ça c'est considéré comme un contact direct. C'est-à-dire le chidouche en fait de Rabbi Meir, il est de considérer que le Tumata Oel, c'est comme si je suis en contact direct, c'est comme si je le touche. Par le simple fait que je suis sous le même toit, c'est comme si je touche le mort. Donc c'est pour ça que ça s'appelle plus deux sortes, ça s'appelle une même sorte. Ouais. Le fait d'entrer sous un toit, ça s'appelle que tu touches le mort, même si tu ne le touches pas directement. Quand tu as dit le toucher, on n'a pas été makpid que tu touches avec tes 10 doigts, ou avec le petit doigt, ou avec ton ongle, ou que tu touches avec ton ongle son cheveu, ça s'appelle que tu touches encore le mort. Et bien, selon le même principe, le fait d'entrer sous le même toit, ça s'appelle que tu le touches, même si tu ne le touches pas concrètement. Ça, c'est d'après Chachamim, c'est pour ça que ça s'associe. Tandis que le fait de déplacer le mort, c'est un mode complètement différent, et là revient la règle que tu ne vas pas devenir impur parce que ça ne va pas s'associer les deux kazetim, les deux chatzizetim, les deux 15 grammes. Zéaklal, telle est la généralité. Kol shehu mishem echad tamé, tout mode d'impureté qui est mishem echad, qui est de la même sorte, la même forme d'impurification, tamé, alors tu seras impur, parce que d'après Chachamim, parce que les deux Khatzizaït, les deux 15 grammes s'associeront, puisque ça veut dire que tu touches, même si tu touches de deux manières, même si tu touches en entrant sous le même toit, mais tout ça s'appelle que tu touches. Par contre, Mishnei Shemot, si c'est deux Shemot différents, deux noms différents, deux modes d'impurification complètement différents, alors Tahor, il sera pur, parce que les deux modes ne s'associeront pas pour le rendre impur, donc il restera pur. Et j'espère que c'était assez clair, Be'ezrat Hashem, en vous souhaitant une excellente journée, Kol Tuv Selam.